Avant de parler de la série arithmétique, je vais te rappeler ce que c'est que la suite arithmétique. Donc c'est une suite de nombres qui commence par exemple par A. Et pour passer d'un terme de la suite au suivant, on va rajouter à chaque fois la raison plus r. Donc le deuxième terme, ça va être a plus r. Le troisième terme, ben, on va re-rajouter r, donc ça va être a plus 2r. Ainsi de suite, a plus 3r, etc. Donc ça, c'était le terme A1. Pardon, je vais l'appeler autrement. Oups. Pardon, je vais l'appeler autrement. Je vais plutôt l'appeler U1. Ça, c'était le terme U1. Ça, c'est le terme U2. Ça, c'est le terme U3. Ça, c'est le terme U4. Alors qu'est-ce que tu peux remarquer Tu peux remarquer que quand on est à U2, c'est une fois R. Quand on est à U3, c'est 2 fois R. Quand on est à U4, c'est 3 fois R. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le, nom, le chiffre qui est là, c'est une unité de moins que celui qui est là. Ce qui veut dire que si maintenant je voulais écrire le terme UN, eh bien ici j'aurais A plus N-1 fois r. Voilà. Donc ça, c'est la suite arithmétique. Maintenant, la série arithmétique, qu'est-ce que c'est bah, La série arithmétique, ça va être la somme de tous ces termes. Ça va être la somme des termes ui pour i allant de 1 jusqu'à petit n. Donc ça va être u1 plus u2 plus u3 plus u4 plus u5, etc. etc. plus un. Donc ça, je vais dire que c'est la somme indicée par n, pour dire que je m'arrête au terme petit n. Maintenant, je vais, la, je vais la réécrire en détaillant les termes. Donc Sn, ça va être le premier terme, A, plus le deuxième, A plus R, plus le troisième, etc., etc., etc. Plus le dernier, a plus n-1 fois r et alors là on va utiliser une petite astuce je vais réécrire la même chose mais cette fois-ci en commençant par les derniers termes et en remontant jusqu'au premier terme donc là j'ai écrit la somme dans l'ordre a plus a plus r plus a plus 2r etc etc jusqu'au dernier là je vais écrire la même chose mais en partant du dernier donc le dernier terme c'est a plus n-1 fois r. L'avant-dernier terme, c'est a plus n-2 fois r. L'avant-avant-dernier terme, je ne l'écris pas, ni tous les autres, et je remonte jusqu'au premier terme. Et maintenant, je vais faire la somme de ces deux équations. Donc à gauche, ça nous donne sn plus sn, ça fait 2 sn est égal à quoi et maintenant je vais commencer par faire la somme des termes qui se font face donc c'est de là puis c'est de là puis tout cela puis c'est de là alors que vaut cette somme bah a plus a ça fait deux a plus n moins un fois r ok ensuite je passe à l'addition suivante. a plus r plus a plus n-2 fois r. Donc ça fait a plus a 2a plus r plus n-2 fois r. Mais eh si je factorise, ça va faire r facteur 2, 1 plus n moins 2, c'est-à-dire n-1. Ah tiens, exactement comme ce terme on a exactement la même chose. Plus, etc. Plus. Et le dernier terme, a plus a, 2a, plus n-1 fois r. Ah, et bien là encore, on a le même terme. Et en fait, tous les termes au milieu, chacun, quand on les additionne face à face, donnerait exactement ça à chaque fois. 2a plus... n-1 fois r, ou r fois n-1, ce qui revient au même. Donc en fait, ce qui se passe en ayant écrit la somme à l'envers et en les additionnant, c'est que quand on additionne les termes qui se font face, à chaque fois on obtient le même résultat. Donc combien de fois on obtient ce, ce résultat bah Autant de fois qu'on a de, de sommes. Et donc en fait la somme c'est U1 plus U2 plus U3 plus UN. Donc en fait on a n fois la somme. Donc ça va faire n fois 2a plus n moins 1 fois R et ça c'est toujours 2 fois Sn donc finalement Sn je peux aussi l'écrire comme étant égal à N fois 2A alors 2A je peux écrire que c'est A plus A plus N-1 fois R alors, tu vas très vite voir pourquoi je viens de décomposer 2a en a plus a. Le tout, divisé par 2, puisque ce 2 est passé à droite. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est parce que on va maintenant repérer les termes pour trouver un moyen mnémotechnique de retenir cette, cette formule. Ce a, en fait, eh bien, c'est le premier terme de la suite arithmétique. Et ce terme-là, a plus n-1 fois r, et eh bien c'est le dernier terme. Ensuite, on a le sur 2. Alors, comment on peut interpréter ça Eh bien, on peut interpréter ça comme la moyenne du premier et du dernier terme. C'est-à-dire premier terme plus dernier terme divisé par 2. Bah, ça, c'est bien la moyenne du premier et du dernier terme. Et ensuite, on multiplie par n. Qu'est-ce que c'est petit n Eh bien, c'est juste le nombre de termes que je suis en train de sommer. Je suis en train de sommer UI, c'est-à-dire les termes de la suite arithmétique, de 1 à petit n. Donc j'en somme n des termes. Donc cette somme, c'est égal à n fois la moyenne du premier et du dernier terme.